Bonjour et bienvenue dans l'Action humanitaire. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans le centre de Grenoble. Et le sujet, les migrants. Notre magazine sera séparé en trois parties distinctes. Pour commencer, vous allez découvrir comment sont-ils pris en charge par des associations. Deuxième partie, une relation privilégiée entre deux personnes. Le parrainage. Et la troisième partie sera concentrée exclusivement sur son voyage personnel jusque sur le territoire français. Je vous laisse découvrir ce premier reportage. Babel Saint-Bruno est un bâtiment réunissant un regroupement d'associations ayant comme action commune l'aide aux migrants. L'une d'entre elles, la PARDAP, a pour but de favoriser l'accueil et l'insertion des migrants, ce qu'elles appellent précisément des accueillis. Elle fournit une aide précieuse aux accueillis grâce au parrainage et à des permanences disponibles par le biais d'une équipe bénévole. La PARDAP est aussi engagée dans la sensibilisation de l'opinion publique et dans l'interassociatif. On peut notamment citer sa collaboration sur le parrainage avec l'association Trois Amis. Alors tu fais pareil, tu soulignes les syllabes. Elle offre aux jeunes étrangers, non scolarisés, la possibilité de s'intégrer par le biais de l'éducation. C'est le verbe jouer, je joue, tu joues, et au pluriel, il ou elle, au pluriel, joue. Les migrants ont alors disponibilité deux CAP bien différents. Et après, au ciseau à bois, on enlèvera. Donc tous les centimètres à peu près, on va faire un trait de coupe. Le CAP maintenance des bâtiments en collectivité, qui apporte plusieurs champs techniques en maçonnerie, menuiserie, plomberie et bien d'autres. Ça va couper toute cette profondeur-là. D'accord ? Allez, on va essayer de couper à 5. Ainsi que le CAP agent polyvalent de restauration. Ce dernier est disponible par l'appui de Cuisine sans frontières, qui propose des ateliers en cuisine. Autour des fourneaux, des cuisiniers préparent des plats de leur pays d'origine. Cela permet de tisser des liens et de partager autour d'une même passion. Je le laisse dans un saumur pendant 12 heures. Puis on va mettre une feuille des algues et puis une couche des œufs. Ah ouais. Et avant que ce soit fait pour des gratins. En les accompagnant, ces initiatives ouvrent des perspectives d'avenir à ces jeunes. Babel Saint-Bruno est un lieu de collaboration entre associations qui permet une aide et une insertion des migrants dans la société. Eh bien, ce travail de ces associations qui prennent en charge ces migrants prouve encore que la solidarité est très forte en France. En parlant de solidarité, je vous ai dit tantôt que nous allons observer une relation importante. Et quelle relation ? Nous avons pris contact avec une dame très charmante qui se nomme Françoise, qui a accepté de prendre un peu de temps pour nous montrer ce que c'est le parrainage et comment les deux fonctionnent depuis quelques années. Allez, je vous laisse en de bonnes mains. Voyez la suite. Pour commencer, il faut savoir que le parrainage se caractérise par la création d'une relation privilégiée entre un citoyen français et un migrant venu habiter en France, qui bénéficie d'une protection internationale. Allô ? Ah, c'est cool, ça va ? Tu arrives à quelle heure ? Ok. Super, à tout de suite. L'établissement d'une véritable relation de confiance réciproque est primordial afin de pouvoir aider le ou la filleule à surmonter les épreuves futures, tout en tenant compte des éventuels traumatismes de son passé pour qu'il ou elle puisse devenir un acteur autonome. Alors, là on va... ouais, c'est ça, et donc tu vois le truc, c'est de faire facile. Ouais. L'apparition d'une réelle complicité et d'un partage dans les activités quotidiennes est courante lors du parrainage. Et donc, tu vois, le truc, c'est de faire ça.
C'est bon? Ouais. Attends, ouais. On va. Ouais. Avant tout, être marraine, c'est une relation humaine. En fait, c'est la rencontre de deux personnes et on essaye pour l'un et pour l'autre que ça se passe le plus harmonieusement possible. Être là, t'as pas de famille, t'as pas de parents et être soutenu par une maman comme ça, je pouvais pas avancer en fait. C'est un truc inoubliable. Moi, de mon côté, elle est tout le temps là pour moi, en fait. Donc, je l'aime beaucoup. Comme vous avez pu le voir, le parrainage est très important pour les migrants. C'est cool, l'a dit tantôt. Il a besoin de ce parrainage pour se sentir en sécurité et pouvoir évoluer dans de bonnes conditions en France. Nous allons donc passer sur cette troisième partie du reportage qui va se concentrer exclusivement sur le voyage d'un migrant. Je vous laisse voir et on se retrouve par la suite. Bonjour, je m'appelle Kamara Fatoumata. J'ai 23 ans, je suis de nationalité guinéenne. Ma vie a changé quand mon papa est décédé. C'était le 5 janvier 2015. Après un mois du décès de mon papa, mon oncle a commencé à me violer. J'ai eu très mal ce jour parce que je n'avais que 17 ans, je n'avais jamais connu c'est quoi l'homme. Il m'a violé de force. Je devrais aller assister à un mariage dans ma famille. J'ai demandé à mon mari de me laisser assister à ce mariage et c'est là que j'ai planifié ma fuite. Du coup, comme je n'avais plus de solution, je n'avais pas d'argent, il a fallu que je me prostitue. Je suis restée 6 mois au Maroc. Il m'a dit, Fatoumata, écoute, prépare-toi, tu vas partir avec ce groupe. Vous avez traversé la mer. Il y a eu un naufrage où il y a eu 4 morts. Ils m'ont laissé à Melilla. Ils nous ont pris Malaga, Séville. Au deuxième, j'ai rencontré mon conjoint, Abdul, Ba Abdul, avec qui j'ai une petite fille aujourd'hui, qui a 1 an. Le message que j'ai pour ma fille, parce que jusque maintenant, je sais qu'elle est traumatisée. À 2 ans, elle n'a pas encore parlé. C'est vrai qu'il arrive des fois, quand je pense à elle, je verse des larmes. C'est très dur. Parce que là, même si quand je suis avec ma petite, celle que j'ai eue en France, c'est vrai qu'elle me soulage, mais je pense aussi à elle. Je pense beaucoup à elle. Je me dis, chez nous, les traditions, on maltraite beaucoup les enfants. Ouais, parce que là, elle était excisée déjà, excisée à l'âge de 10 ans. C'est trop dur, je sais. Moi, j'étais excisée à 6 ans, mais c'était trop dur pour moi. Elle a 2 ans. Et les jours que j'ai su ça, j'ai beaucoup crié sur ma maman. J'ai même oublié que c'est elle qui m'a mise au monde, mais j'ai dû crier sur elle, parce que c'était dur pour moi. Tout ce que je veux aujourd'hui, que je sois régularisée, je fais venir ma maman et ma fille, c'est tout. Je sais que je suis brave, je me sens très forte. C'est pourquoi tout ce que je prétends dans mes projets, ça y va de l'avant, parce que ça me rappelle déjà de tout ce que j'ai traversé. Donc j'ai encore plus de courage de vivre, oui. Je suis fière de moi. Oui, Fatoumata nous aura montré qu'avec une détermination et un courage sans faille, on peut aller jusqu'au bout. Sur ce, il se trouve que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Le thème de la semaine prochaine, en revanche, sera le réchauffement climatique. Et on sera au rendez-vous. Merci d'avoir suivi Action Humanitaire. Et à très bientôt.